Bonny nous disait à la mi-temps qu'il y avait peu de solutions offensivement. Quand on regarde cette deuxième période, c'est vrai que c'était assez statique devant. Le porteur de ballon n'avait pas vraiment de solution, vous êtes d'accord? Oui, il n'y avait aucune solution. Il n'y avait pas de course, il n'y avait rien. Ce que je retiens surtout, c'est que dès qu'on fait un bon match derrière, on se relâche. On arrive à prendre un point à domicile face à Lens. Et là, aujourd'hui, c'était de la merde. Il n'y a pas d'autre mot, de la merde. De la première à la 14e, on a rien montré. Pas de jeu, pas de course, rien. Aucun duel gagné. Donc, franchement, si on ne met pas les ingrédients, on peut rien faire. Donc il va falloir se bouger réellement, revenir à des choses simples et se bouger. Merci beaucoup. When you can see three goals from set pieces, it's very difficult to accept. So we need to improve our concentration and our aggressiveness because if you do this, you know, it helps. But again, me being a defender, conceding set pieces isn't or doesn't feel great. And it's very hard when you're coming back into the game when you can see stuff like this. So we need to be better. Effectivement, quand vous concevez de nombreux buts, dont trois buts sur coup de pied arrêté, il y a de quoi se mettre être énervé. Il nous a manqué de la concentration, de l'agressivité et beaucoup de choses. C'est difficile de revenir dans des matchs quand vous prenez ce type de but. Donc oui, effectivement, il y a un petit peu de... voire beaucoup de frustration concernant ces points-là. Again, it's aggressiveness is not a skill. So it's a mindset. You know, you don't teach a player to be aggressive. You teach him on how to be aggressive. So, you know, it's something that I've always been aggressive. And, you know, we'll be trying every day, trying to teach players to be aggressive, especially in set pieces or tackles or 1v1. So it's a mindset, it's not a skill. But, you know, we have to keep working on this individually and collectively to improve them. L'agressivité n'est pas une qualité, mais c'est un état d'esprit. On doit avoir cet état d'esprit tous les jours. C'est ce qui manque pour l'instant. On doit aider les joueurs sur ce point-là et vraiment les faire travailler pour que ça se retrouve à tous nos matchs. Yeah, I don't need to say anything. They know. But I think I've always said this from the start. We need to be better mentally. Physically, we need to improve our aggressiveness. I think I've said this nearly every press conference that I've had. So, look, we're aware of it, but we need to keep working to do this because, again, giving set-piece goals away in a league like this, it's very difficult. Oui, ils le savent. On doit être meilleur physiquement et mentalement. Désolé, je le dis un peu à chaque conférence de presse, mais c'est vraiment le cas. Encore une fois là sur ce match là avec les buts qu'on donne comme ceux qu'on a donné ce soir, on ne peut pas faire grand chose, donc on a beaucoup de travail à fournir. They conceded three goals in set pieces. It's nothing to do with the formation. It's me versus you. So that's what it was. It was got nothing to do with the formation. Look the way we conceded one goal in open play, the rest were a penalty and two other set pieces. It had nothing to do with formation. It was the lack of aggressiveness in the duel to beat your opponent when you're marking them. Non, en fait, c'est pas une question de schéma tactique. Trois buts encaissés ont été sur coup de pied arrêté, donc c'est un manque d'agressivité, un manque de concentration. C'est pas dû à un schéma qu'on soit à 5 ou à 4 derrière. Donc, faudra d'abord travailler ces points-là avant d'évoquer d'autres choses.